Kevin Vauquelin maintenant. Top. Il a donc repris 34 secondes. Abby Seger, 19-04-09. Le record man de l'or 2019, deux fois champion d'Europe de la spécialité. C'est moins concentré ces deux, trois dernières années sur le chrono. Très, très gros numéro de la part du jeune coureur français qui s'impose momentanément, en tout cas qui réussit le meilleur temps absolu. Regardez. Et voilà Kampenaerts, ouais, qui confirme quand même. Hein. Il est vraiment dans les temps. Il n'est pas très loin de Vauquelin. C'est sur peut-être la partie qui est la plus favorable à Vauquelin. Mais il est en mesure de rivaliser. Il fait quand même nettement mieux que Bisseger. Ouais. Et 3 secondes et demie, c'est jouable. Eh bien non. On revient dessus. Le voilà. Tout juste. Bien vu. 9 victoires contre la montre dans sa carrière, 3 fois champion de Belgique, 2 étapes du Tour, une à Paris-Nice, une à Tirreno, une au Dauphiné. Allez, jusqu'au bout, on lui dit. C'est un sprint entre Vauquelin et Kampenaerts, ça va se jouer à une poignée de secondes, peut-être même dans la même seconde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il gagne pour 76 centièmes. Et ça, c'est 76 centièmes. Vauquelin, il dit, mais c'est pas vrai. On va être dans les temps de... On va être derrière Kevin Vauquelin. Derrière Kampenaerts. Van Aert, ouais, mais... qui est à 19 secondes. Il prend 19 secondes. C'est le cinquième temps. Oui, beaucoup, beaucoup de temps là perdu par Wout Van Aert. Là, c'est terminé. Il ne sera pas en mesure de jouer. Non, c'est fini. Déception. Il a encore perdu un petit peu sur la fin. Il va se retrouver à une minute. Ouais, il a perdu encore. 59 secondes exactement. Voici Roglic, 5e à 1 minute 14 secondes au général. Il a disputé 2 chronos cette année. Il a gagné à Irun. C'était sur 10 km. C'était très différent comme chrono. Et la pluie avait notamment perturbé cette difficulté. 5e du Dauphiné à 39 secondes de Remco Evenepoel. Attention, ça va être parti là. Le 3e du général à 50 secondes. C'est parti, Vingegaard. Attention, voilà le champion du monde. Remco Evenepoel. Objectif, la victoire d'étape. Et le reste, on verra. C'est parti. Ça part vite. L'aérocogle, la balle aérodynamique. Et voici le dernier homme à s'élancer, le maillot jaune, Pogacar. Tadej Pogacar, qui n'a plus gagné de chrono sur le Tour. Vous voyez le... Depuis 3 ans. C'est un vrai carénage hein, qu'il y a là. Oui. Ouais, et il est parti à fond aussi. Hein. Pas de raison qu'il en aille autrement. Secondes sur Kampenaerts. 18. Meilleur temps pour Vingegaard, 9,50. Il devance de 9 secondes Roglic. Mais j'ai l'impression c'est pas la partie qui est censée lui convenir le mieux. Il fait 7 kilos de moins que Pogacar. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on parlait de 27 secondes pour Pogacar sur Kampenaerts alors qu'on était encore dans la première partie. 9,50 le temps à battre. 9,39, si j'ai bien vu. Ouais, 9,39. À confirmer. Donc, oui. 11 secondes d'avance sur Vingegaard. 11 secondes d'avance sur Vingegaard. C'est pas mal. 9,39 le temps de Remco. Voilà, stop. Attention, on a oublié. Mais c'est mieux. 9,44, non. Il est battu secondes. De 5 secondes. Oui. C'est 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. Derrière. 9,43. Ouais. 9. Oh là là. C'est sérieux. Il met 9,42. Hein. Oui, il est 3 secondes derrière Remco Evenepoel. Ouais. 3 secondes. C'est un mouchoir, c'est rien du tout. Aïe. C'est pas gagné pour Remco. Hein. Ouais, lui aussi, il marque maintenant 18,51 pour Roglic. Vingegaard, le voilà. 18,35. Allez, 36. Allez, 14 37. Secondes. 15 secondes d'écart. Sinon... Peut-être même mieux. Ouais, même mieux. Il avait 11 secondes sur Vingegaard, on n'y est pas encore. Allez, Remco.
23 secondes. Allez, 23 allez. Secondes, 18-13. Et Pogacar qui arrive. Alors, le chrono s'il vous plaît. 18-13. Ça va faire un jeu égal là. 11. Oh. 13, 14, 15. Oh, oh, oh. Ça se joue à rien du tout. Mais Remco a creusé un petit peu. Il a creusé, a creusé un peu. Allez, c'est jouable. C'est jouable. Oh là 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 là. Quel match. Là, ça va aller très vite maintenant. Hein. 18-23. Ah, une fois qu'on sera arrivé dans la ville, on sera un peu moins tendu. Honnêtement, je vous avoue, là, je suis accroché au siège. Oui, hein. Mais on est tous un petit peu avec véritablement les. Voilà, on arrive dans la ville maintenant. On a passé les zones techniques dangereuses. Regardez cette force pour relancer. Campenhardt qui avait fait un chrono extraordinaire, mais il y a quand même des extraterrestres, il y a quand même des grands champions de Tour de France qui sont là. Les quatre sont dans une autre catégorie, il le sait, Campenhardt. Ben, il sera le meilleur derrière les quatre fantastiques. Hein. Mais pas tant que ça, une vingtaine de secondes, ce qui est quand même extraordinaire. Oui, ouais, bien sûr. Donc le temps de Roglic, 29-26. Ça roule vite. Le temps de Rodriguez. Oh, problème. Mais non, mais non. Non, il croyait qu'il mais était crevé. Il faut continuer, allez. Ah, ça peut faire la différence. Hein. Ah oui, quelques secondes comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je pense que c'était peut-être la chaîne qui n'est pas passée. La vitesse qui n'était pas passée. Et il va battre le temps de Roglic. Ouais, il fait un super chrono. Hein. Il n'y aura pas le battre. Pas tant que ça, il n'y aura pas le battre. Non, il ne le bat pas. Il ne le bat pas, mais il fait quand même un très bon chrono malgré tout. Hein. Oui, mais Roglic qui a fini très fort. Oui, oui. Top 29-29, donc 3 secondes d'écart entre Roglic et Vingegaard. Allez, oh, j'espère que cet ennui ne va pas lui valoir la victoire. On prend tout, hein. Maintenant c'est Vando ici, c'est une grande relance. Le dernier kilomètre, là c'est là qu'on va voir. Roller. C'est là qu'on va voir. Allez, Remco. Si tout repasse bien. 29-26, c'est le temps de Roglic. C'est le premier chrono de sa carrière sur le Tour de France. Le premier chrono. Allez. Le meilleur temps, c'est sûr. C'est sûr. Allez, Remco, 28-52. 28-52-19. Il y avait 32 tout à l'heure. Il y a 36 sur la ligne. 28-52-19. On annonce 10 secondes pour Remco. Si c'est comme ça, ça devrait le faire. Et un Campenhardt qui a quand même fait une sacrée perf. Hein. Oui, qui va venir le premier du reste du monde. Et Vauclin sont dans le même camp. Oui, bien sûr. Alors le virage. 15, 14, 13, 12, 11, 10, c'est gagné. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Remco Evenepoel. Pour le plus grand Remco Cocorico de sa carrière, on peut le dire aujourd'hui, à Geoffrey Chambertin. Remco Evenepoel a gagné les chronos dans les trois grands tours. 12 secondes quand même. Hein. 12 secondes sur Pogacar. 34 sur Roglic, 37 sur Vingegaard. Et donc, ce mission accomplie. Bravo, ah oui, c'est clair, ouais. Bravo mon gamin, proficiat. Aujourd'hui, il nous a donné du rêve. C'est Remco Evenepoel. Ah oui, c'est beau. C'est du grand magnifique. Art. Ah oui, oui, oui. Il l'a fait.